Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Fréquence SMU. En l'honneur du 1er avril, nous écouterons les petites boutades des chroniqueurs par la tribu des Huluberluches. On commence tout de suite. C'est l'histoire d'une brioche qui n'allait jamais au sport d'hiver parce qu'elle ne savait pas skier. Le directeur d'un hôpital rattrape un patient pieds nus qui sort en courant de son établissement. « Mais enfin, monsieur, pourquoi vous êtes-vous enfui du bloc opératoire ? C'est parce que l'infirmière a dit « Allons, soyez courageux, ce n'est qu'une appendicite. » C'est simple comme une opération. Et alors, elle a dit ça pour vous rassurer. Ce n'est pas à moi qu'elle a dit ça, mais au chirurgien. La race de poisson qui est comique, eh bien, c'est les poissons clowns. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'une chauve-souris avec une perruque ? C'est une souris. C'est l'histoire de deux patates qui traversent la route. L'une d'elles se fait écraser, l'autre dit « au purée ». C'est un footballeur qui va chez le coiffeur et qui demande « la coupe du monde, s'il vous plaît ». Deux lions discutent. « T'as une belle crinière. Arrête, tu vas me faire rugir. » Allô ? À l'huile ! Deux canards discutent. Coin, coin. C'est dingue, vous allez dire la même chose. La plage dit à l'océan, dire que tout le monde aime l'eau, c'est assez vague. C'est une jolie petite antenne TV qui est tombée amoureuse d'un paratonnerre. Elle lui dit, tu y crois, toi, au coup de foudre ? Eh bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de cette édition spéciale sur Fréquence SMU, la tribu des Huluberlus. On espère que vous vous êtes marrés et on vous dit à bientôt. Marrés dans la mare.